Bonjour à tous et bienvenue sur Planet Wargame pour un nouveau choix des armes Venetian Sector, dont je rappelle le thème. On passe en revue les évolutions d'armées qui sont propres au secteur Venetian à travers la campagne éponyme que nous organisons cette année. Donc cette fois-ci, on sera avec Capitaine Savignac. Comment ça va? Bonjour, ben ça va bien. Super, et on va passer en revue ton Carnaval Rouge. Bien ça? Oui, c'est ça, c'est le Carnaval Rouge. Alors le Carnaval Rouge, c'est des, bon, c'est des ruchiers insurrectionnistes qui sont une sorte de bande de malfrats, de camelots, etc. quoi. C'est une sorte de cour de miracle au départ. Des pilleurs de nourriture, contrebandiers, marché noir. Et ils font des soupes populaires, ils font des espèces d'immenses soupes populaires pour sélectionner les meilleurs ruchiers, les meilleurs clodos, etc. Et ils aiment tout particulièrement les psycheurs pour s'en servir, pour manipuler les masses, les meutes, etc. Et parce qu'en fait, formellement, ils n'ont pas vraiment de vraie organisation. Ils disent oui, il n'y a pas de chef. Mais en vrai, tout le monde est manipulé par les psychers, etc. Donc il y a ce vernis de distribution de nourriture à tout le monde. Et derrière, manipulation pour créer un espèce de réseau de malfrats, etc. Ah, c'est génial, et là on le voit parfaitement représenté dans la scénette finale avec les décors, le cuisinier, le chaudron, enfin la totale. Et oui, vraiment le. Ok, la soupe populaire qui tourne mal, quoi. Qui tourne mal. Et alors, déjà, plus un point Planet Wargame pour toi d'emblée, parce que en plus de faire une armée zélote, tu fais un bon usage des fiches fluffiques. Légèrement personnalisées, néanmoins. Légèrement, quelques enluminures supplémentaires. Ouais, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, il a fait intéressant, c'est que voilà, je ne sais pas pourquoi au Moyen Âge il y a des histoires de fesses là. Hein, il a un poulet qui lui mord la fesse là, le gars, là, avec sa trompette, et puis il y a un lapin qui sort de la trompette. Bon voilà. Ça, je Oui. trouvais que ça allait très bien avec le thème. J'en sais pas plus que toi à ce sujet, je sais pas. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est des éléments graphiques récurrents. On sait pas pourquoi. Enfin bon. Après, voilà. La vie de moine copiste, ça va pas être rock'n'roll tous les jours, donc faut bien l'égayer un petit peu, quoi. Donc, fiche fluffique. Je rappelle que c'est un gabarit téléchargeable, enfin que vous pouvez complètement modifier à loisir, c'est fait pour ça, c'est pré-rempli et vous modifiez les textes adéquats et vous avez la fiche fluffique de votre armée. Alors, effectivement, voilà, les petites illustrations moyenâgeuses là ne sont pas incluses, hein. Mais ça, il faudra les chercher vous-même. Pour tout le reste, si vous voulez synthétiser le fluff de votre armée en une seule fiche comme ça, vraiment clair, synthétique et prête à être présentée à vos partenaires de jeu pour qu'ils comprennent enfin le fluff de votre armée, qu'ils n'ont jamais pu comprendre avec le roman que vous aviez écrit à ce sujet, eh bien c'est téléchargeable, le lien en dessous, description de la vidéo et commentaire épinglé. De même pour le codex Zélote, hein, le codex pour jouer une armée de finalement du peuple en colère, hein, avec tout ce que ça peut intégrer, et tout ce que ça peut supposer, toutes les obédiences ou les allégeances qui peuvent être liées à ça. Un petit peu là, comme à l'instar du bus de guerre Zélote que vous voyez là, qui a été fait par Capitaine Savignac, lui. Tout le reste bon, est disponible dans le codex Zélote. Voilà. Donc, voilà. Si comme le capitaine, vous souhaitez démarrer votre propre révolution de Clodo, qui est venu pour la bouffe et reparti complètement lobotomisé psychiquement, eh bien, c'est possible. Ce rêve est enfin accessible. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu unité par unité. J'ai une question quand même niveau fluff d'abord, puisque tu nous l'as très bien présenté, brièvement. Est-ce que les Psykers qui chapeautent un petit peu l'organisation, même si, oui, officiellement, ils n'y sont pas à la tête,
Est-ce que c'est avec une visée, je dirais, sincère, une réelle foi, certes déviante par rapport à la foi impériale, mais tout de même basée sur, je sais pas, un mysticisme, des visions qui les rendent quand même fidèles à l'empereur, sous une forme ou sous une autre? Ou est-ce que c'est vraiment dans la manipulation pour des bénéfices beaucoup plus terre à terre, quoi, vraiment. Fonder sa secte à l'insu un petit peu de ses sbires de bas niveau. Il n'y a pas de... Non, non, c'est... Je pense qu'il y a une croyance... Ils ont forcément une espèce de croyance en l'empereur ou une entité qu'est l'empereur, parce que en fait, ils ont tendance à se méfier des mutants. Enfin, les mutants sont normalement pas sélectionnés. Sauf que là, bon, on est dans une situation de crise avec ce qui se passe sur le secteur Venexian, donc ils prennent plus de mutants que d'habitude. Et d'habitude, ils prennent pas de mutants, etc. Mais comment dire, oui, je réponds pas à la question. Ouais, je pense qu'il croit en l'empereur, mais c'est quand même comment dire, c'est un regroupement de psykers qui essayent de voilà de d'évoluer. Enfin, c'est quand même pour eux. Enfin, voilà, c'est quand même, ouais, c'est pour avoir la meilleure bouffe possible et la meilleure condition possible en manipulant les autres. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout un réseau mafieux, au fond. Voilà. C'est le vernis, le mystique reste un vernis, même si je pense qu'il croit en l'empereur. Le mystique reste un vernis, mais c'est surtout un réseau mafieux avec des psykers à leur tête, quoi. Oui, d'accord. Ils sont croyants à la manière de mafieux sicilien, quoi. D'accord, parfait. Voilà, c'est un peu basique, il y a quand même une crainte, parce que bon, ils ont bien conscience que leur pouvoir psychique vienne de quelque part, quoi. Mais après, la religion impériale, etc., bon, c'est plus inverse. Ils sont pas dans le... Ils seraient pas capables de faire apparaître tout ce qui est unité fantomatique, etc., tout ce qui est apparition. C'est beaucoup plus terre à terre, quoi, ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous parler du buste de guerre Zélote, là? Juste extraordinaire cette figurine. D'où elle vient? Où l'as-tu achetée? Quelle a été l'expérience de modélisme dessus? Je t'écoute. Alors, le buste de guerre Zélote, oui, donc alors en fait, comme... Alors là, j'ai pas eu l'occasion de mettre des porcs ou des trucs de bouffe dessus. Mais... Et puis des gars avec des pics, parce que je voulais mettre des gars avec des pics aussi dessus. Mais voilà, c'est le véhicule de transport basique du Carnaval Rouge, soit pour transporter du personnel, soit pour transporter de la bouffe. Et du coup, j'étais chercher un espèce de gros bus orque en résine. Alors là, du coup, j'ai oublié où je l'ai acheté. C'est pas Puppet War qui fabrique ça, non? C'est Puppet War, c'est Il me ça. semble. Il me semble que Voilà, c'est c'est Puppet ça. War. Chez Puppet War, donc effectivement, c'est ça. J'en ai acheté deux. Je crois que la tourelle était inclue. J'ai rajouté des petits trucs. Pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est un espèce de gros bloc de résine hyper lourd. Très peu personnalisable, du coup, par rapport à du plastique. Et donc, bon, j'ai rajouté quelques petits trucs, des petites bougies, etc. Et je l'ai peint en rouge et noir avec des bandes industrielles pour le côté zélote, quoi. Et j'ai dû le socler parce qu'il était tellement lourd qu'il avait du mal. Enfin, il explosait les roues, en fait, sur lesquelles il était jonché. Donc j'ai dû le socler pour ça, pour qu'il soit bien résistant, pour qu'il soit bien manipulable. Et puis ça permettait de donner aussi ce côté. Alors là, on voit qu'il y a certaines parties que j'ai pas pu atteindre là, là-dessous, mais ça permettait de lui donner ce côté un peu ruche dégueulasse. Oui. Transporteur dans bidonville, voilà. Et après, avec les espèces de drapeaux qu'il y a dans la boîte de flagellant, j'ai pu coller un petit gobelin supplémentaire. Et je pense sur le deuxième aussi en mettre, en rajouter aussi, mettre des genres de petits gobelins qui surfent dessus, quoi. Les petits avortons, là.
Et voilà, et après ça a été assez long à peindre. Mais pas tant que ça finalement, comme il y a plein de détails, de trucs dégueulasses pétés dans la figurine. Déjà de base, donc ça permet de guider un peu le peintre. Ouais, le design de base est super. En plus, ce kit, il me semble qu'on peut le monter de différentes manières. Ça reste, comme tu l'as dit, un Oui. bloc de résine, mais tu peux mettre le toit ou pas, enfin le conserver ouvert, il peut être Exactement. fermé. Et ça, c'est Ouais. génial. Il y Quand on a a des pris espèces deux, de tu peux bandes. les faire différemment. Oui, voilà. Ouais, c'est super. Je pense que tôt ou tard, je vais succomber moi aussi à l'attrait du bus de guerre. Là. Il est beaucoup trop génial pour ne pas être pris, quoi, ce truc. Voilà. Oui, voilà, avec le recul, j'aurais peut-être fait différemment sur mes bougies, hein, mais ouais, le reste après, la mitrailleuse, le petit bonhomme à mettre dessus, mettre des équipiers dessus, je pense que ça, c'est pas mal. Alors, survolons un petit peu les règles que tu lui as attribuées. Ouais, ça ressemble, j'ai l'impression, aux règles génériques de véhicules à modifier là, du Codex Zelot. Je reconnais C'est ça, des oui. règles spéciales, là, structure allégée, cuirasse brinque-ballante, pardon. Oui, j'ai repris les règles du codex en fait. Il a un En fait, équipage je l'avais. agressif, par contre. Oui, hormis ça, voilà. Hormis ça, le fait qu'il soit transport du prolétariat. 20 figurines, ouais. 20 figurines. Oui, c'est ça. C'est fait pour transporter 20 foules en colère, quoi. Là, vraiment le gros. Réservé aux troupes, d'accord. Oui, c'est vraiment, c'est, ouais, les transports Réservé aux publics, troupes. quoi. Les Ouais, transports c'est publics. ça. Bon, parfait. Alors, pour la petite histoire, je les avais joués contre des joueurs normands, là, du côté de Rouen, qui se reconnaîtront d'ailleurs. Et ouais, ça avait été utile d'avoir ces bûches-là, parce qu'ils n'avaient pas réussi à me les exploser. Hein. Et quand ça débarque, ces 20 troupes, là, bon, à l'époque, elles n'étaient pas entièrement papes, mais quand ça débarque, les 20 pécores, c'est très drôle, quoi. Ils débarquent les 20 pécores, et après, le bus, on le colle sur les unités adverses jusqu'à temps qu'il explose, quoi. Une fois qu'il a débarqué. Et après, j'ai fait une autre partie contre la Death Guard où cette fois, lui, il me l'a explosé en plein milieu de mon camp. Et en fait, tout le monde est mort autour. Tout le monde s'est pris des BM. À l'intérieur, je sais plus, il y a la moitié des mecs qui sont morts avant de débarquer. C'était vraiment horrible, quoi. Parce que. Bon, Et qu'il explose sur un, c'est deux, génial. trois, c'est. Ouais. Sympa, sympa cette règle, effectivement. Oui. Transport peu sécurisé, quoi. 1, 2, 3, les passagers sont morts. C'est génial. Le petit cuisinier? Forgeworld? Oui, c'est le petit rattling de Forge World qui se prêtait vraiment merveilleusement bien à mon idée de soupe populaire, quoi. Oui, il est fait pour ça. Clairement. Et il est génial, quoi. Alors, je n'ai pas trouvé de règles spécifiques, mais voilà, je lui ai rajouté des assiettes de soupe. Hein. Pour les unités de base, tu es parti sur bon, le truc tout indiqué, hein, les Codors, qui sont vraiment la base vraiment en termes de figurines parfaite pour faire du Zélote. Surtout les unités de foule en colère, là, l'unité de base, on va dire à peu près du Codex. Soit utiliser tel quel, après tout ça passe. Soit si on cherche à les personnaliser un petit peu, alterner dans les têtes. Changer un petit peu les masques proposés de base dans le kit ou ce genre de choses. Ça peut tout changer. Donc là, on a un mélange hétéroclite. Je vois ça là, du Codor, du flagellant, du cultiste du chaos. Ouais. Exactement. Tu allais chercher un petit peu partout, voilà, tout ce qui pouvait représenter un citoyen ou un ruchier. Voilà, avec un armement improvisé, quoi. C'est ça, je les joue tous en arme improvisée parce que c'est trop difficile de savoir qui a un pistolet ou. Ouais. Ils sont tous en armes improvisées, sauf l'arbalète, lance-missile, là. Et puis voilà, c'est des cultistes, cultistes du chaos, des flagellants. La boîte de flagellants est très très bien pour faire des zélotes.
et des codors qui, dans les pauses, manquent malheureusement un peu de diversité quand on achète deux boîtes. Mais qui sont très bien avec les têtes supplémentaires, là, ils sont vraiment sympas, quoi. Ouais, tout à fait. Je suis même en train de les convertir. C'est sûr que tu peux vite retomber sur les mêmes poses et ça demande du travail pour être un petit peu modifié. Même si parfois c'est vraiment une partie de plaisir. Là, je me suis éclaté sur les arbalétriers à missiles, là, comme celui qu'on voit dans ta bande à toi, là, celui qu'on voit au fond. On peut s'amuser quand même à vraiment, vraiment varier les poses avec ça en adaptant l'arbalète finalement sur. Les bras qui sont faits plutôt pour tenir la hampe d'une arme de corps à corps longue ou un truc comme ça, on peut leur mettre sur l'épaule, on peut leur mettre ou alors reposant sur l'arbalète, on va dire appuyé dessus, enfin bref, on peut Oui, s'amuser quand même oui. avec. Et les têtes Forge World, c'est vrai, comme je vois là sur celui au fond, ajoute un vrai petit truc sympa aussi pour ces kits là quand même, pour les différencier un petit peu. Alors, j'imagine que là, on arrive sur le meneur de la du Carnaval Rouge, non? Oui, c'est ça. C'est Hector le Rouge, le gourou, le chef, quoi. Un peu le chef de la secte, quoi. Ou Génial. chef de l'armée du salut de Pacotille, entre guillemets. Ouais. Ah là, la conversion, ça saute moins aux yeux, la source. Est-ce que tu peux nous donner l'origine du corps de ce personnage? Au niveau de la pose, c'est parfait, hein. C'est académique. Hein. Là, c'est au niveau de la pose, c'est bien, il y a des lignes fortes, c'est impeccable. Oui, merci. Du coup, c'est alors l'idée originale, c'est une vieille planche de conversion ministerum, de conseil de conversion du ministerum qui avait été faite par John Blanche, que j'avais retrouvée, et à l'époque déjà sur un archonte métal. Hein, lui faisait ça sur un archonte métal, ce qui est un peu de la folie, quoi. Il disait, ben, prenez un archonte métal et puis vous lui collez une tête d'un gars de l'Empire, et puis voilà, ça fait un parfait prêtre ou parfaite unité du ministerum. Et donc j'ai dit, ben, je vais faire ça avec un archonte plastique, quoi, beaucoup plus simple du coup. Et donc j'étais chercher un archonte plastique, je lui ai viré tous ces signes, toutes ces pierres esprits, etc. Sauf pour l'épée, où j'ai gardé une épée. J'ai gardé l'épée classique, là, l'épée énergétique. J'ai tout viré, je lui ai rajouté ces têtes de barbu, là, de flagellant, que moi je trouve vraiment génial. Et puis tout un tas de bordel, des parchemins, les livres gigantesques là, les espèces de bougies derrière. Alors ça, c'est un peu improbable, mais en fait il a une espèce de une espèce de d'assortiment de bougies là au-dessus qui viennent du set Kodor, quoi. Et derrière, oui, alors derrière ça rend un peu moins bien la robe là. Mais voilà, j'ai rajouté plein de bordel, des cloches, des bouts de parchemin. Voilà, il a vraiment l'aspect d'un. Ah oui, puis il piétine un Aquila aussi, ça se voit pas. Là, on le voit un peu mieux qu'il piétine un On le voit un petit peu sur la photo de Aquila. dos, effectivement. Ça. Ouais, ce Et bon donc, vieux il a kit de vraiment flagellant. l'aspect. Ah, il est génial pour faire un aspect, vraiment l'aspect. Affiche de film, les 10 commandements là. J'étais fier de la pose. Ça fait vraiment côté prophète mystique, quoi. C'est Même vrai. si en fait c'est un manipulateur de foule en vrai. C'est voilà, il a dû lire 2 3 livres de sociologie, puis il a des pouvoirs psychiques, ça tombe bien. Et voilà. Et lui, il est pas particulièrement habillé en rouge, il force tout le monde à s'habiller en rouge, à avoir au moins un élément rouge, et lui il ne l'est pas particulièrement parce qu'il est censé être roux. Alors ça se voit pas forcément là, j'aurais dû pousser encore plus le roux, mais voilà. Super. En tout cas, c'est sûr que c'est un personnage qui est vraiment à toi. J'ai jamais vu de conversion du même style. Je vois très bien ce dont tu parles avec la conversion suggérée par John Blanche avec l'archonte métal. Je vois très bien le style. Mais c'est marrant. T'as repris
comment dirais-je, la même recette suggérée, mais avec des ingrédients complètement différents, quoi. Ouais, c'est vraiment ton personnage, quoi. Donc c'est super. Les musiciens, là, qu'on aperçoit, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, là. Alors, les fameux musiciens zélotes. Alors, eux, ce sont des psykers, en fait. Ce sont des gens qui sont sélectionnés. Alors, j'en ai pas peint, j'en ai pas fait, parce que normalement, ils combattent presque pas. Il y a les recruteurs dans les soupes populaires, il y a des gars qui sont psychologues, soit psychologues, soit qui vérifient l'anatomie. Enfin, ils arrivent à détecter les gens qui ont du potentiel, en gros. Les recruteurs, ils sélectionnent des gens qui ont des pouvoirs psychiques, ou ils se baladent dans les bidonvilles pour voir s'il n'y a pas des rumeurs sur un rebouteux ou un gars qui aurait des pouvoirs particuliers. Et donc, une fois qu'ils sont recrutés, c'est ceux qui sont les mieux nourris. Ils sont les mieux nourris, les mieux protégés par Hector le Rouge. Là, il y a vraiment un lien, il y a vraiment quelque chose, quoi. Ils sont vraiment aidés. Et donc, les meilleurs, les plus stables, des psychers deviennent des. Alors, on leur apprend à jouer de la musique. Et ça devient des psychers musiciens. Alors, le rôle des psychers musiciens, c'est de. À chaque fois qu'il y a une soupe populaire, ils vont dans les bidonvilles, vraiment les trucs les pires, les plus merdiques de la rue. Et ils vont jouer du cor, ou vraiment, surtout des instruments à cuivre qui gueulent bien, quoi, qui s'entendent de loin. Pour rameuter tout le monde. Et voilà, donc ils font ça régulièrement dans les rues d'Urientina. Et le but, c'est d'habituer les ruchiers à avoir ce réflexe pavlovien de dire « Ah, ça y est, la soupe populaire du Carnaval Rouge ». Alors normalement, ça se fait pendant les dates de festivités impériales. Ils font ça en même temps que les dates de festivités impériales. Et puis, ils organisent des espèces de banquets à base de bouffe recyclée dégueulasse. Mais c'est déjà bien suffisant pour les clodos des rues. Et donc voilà, c'est des personnages importants qui c'est important pour cette armée-là, quoi, pour le Carnaval Rouge. J'adore. J'ai pas plus de commentaires que ça. Juste, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, bordel. Enfin. Oula, oula, oula. Par contre, là, on va peut-être moins s'entendre sur la suite, là, parce que je. Ouais, c'est ça. Je vais m'engueuler. Ouais. Jusque-là, on discute, on parle de bouffe, ça va, tranquille, mais là je sens poindre l'hérésie, là. Alors, explique-nous le forfait que tu as commis, là, ici. Alors, normalement, c'est vrai, je n'ai pas les pantalons officiels. Mais ce sont normalement c'est des Tarcusiens renégats. Et là c'est vraiment mes préférés. Bon, c'est censé être l'élite de l'armée zélote, hein, parce que je les joue comme des gardes impériaux classiques. Et donc c'est des Tarcusiens renégats qui souvent ça va être des gardes qui défendaient des entrepôts de bouffe ou qui s'aperçoivent que leurs rations sont peut-être pas au niveau par rapport à ce que peut fournir le Carnaval Rouge. Et donc, ou alors c'est des gars qui étaient prêts à passer au peloton d'exécution, qui étaient prêts à être pendus, etc. Et qui ont été sauvés in extremis par ma bande de zélotes, quoi. Et donc voilà, bon bah ils sont reconstitués en unités, etc. Et puis en petites unités qui protègent les psychers, quoi. Mmh. Mmh. Je réfute. Tout ce que tu viens de dénoncer, c'est la trahison au sein du régiment des Lions de Sainte-Tarcus, c'est une pure vue de l'esprit. C'est pas possible, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Enfin, c'est génial. Flatté toutefois de que ce soit malgré tout, on va dire, bon, allez, un petit détachement de mon régiment qui serve d'élite de l'armée, quoi. Mais bon. Oui, c'est ça. Les lance-flammes surveillent les soupes, quoi. C'est. Ouais. Non, mais c'est parfait. C'est sûr que ça. C'est parfait. C'est parfait. Des lions renégats, évidemment. Bon. De simples humains. Hein. Voilà. Ils sont pas infaillibles. Donc,
C'est impeccable, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un concept. Alors qui, pour ceux qui se sont intéressés au, comment dirais-je, à l'idée de faire une armée zélote, forcément l'idée à un moment donné émerge de d'avoir peut-être plus vraiment la lead de la société en troupes de base et éventuellement plus presque comme une élite, un corps d'armée régulier qui a rejoint la cause en fait. Donc avec des stats de gardes impériaux, mais qui incarne, bon, c'est les primaristes de l'armée quoi, c'est l'élite de l'élite quand même Voilà, quoi. c'est Ouais. exactement. Il touche presque une fois sur deux quoi, c'est quand même pas mal. Ah, la petite mise en scène sur les décors, c'est génial, c'est C'est génial. ça. Un projet de Lemon Russ à l'avenir peut-être. Voilà, c'est ça, c'est un Lehman Ross Zélote. Donc avec des bouquins, il a des bouquins autour de lui, là, le petit gars. C'est un cultiste de Frostgrave, j'ai acheté la boîte parce qu'il y a les têtes. C'est du plastique et puis il y a plein de têtes de flagellants classiques, là, les têtes de rédemptionnistes. Et ils sont un peu plus petits qu'un Quindien. Niveau taille, c'est pas génial, mais pour du ruchier, ça ira. Et ouais, en commandant de char à la con, c'est pas mal. Il y a un rat derrière, on le voit pas trop, mais il y a un rat qui est sur la carlingue, quoi, qui se promène. Donc voilà, c'est un projet, mais pas fini, effectivement, parce que c'est quand même long de faire un Lehman Ross Zélote. Mais Ouais, voilà. ouais. Mais ça, les Je tenais véhicules, à avoir c'est Lehman Ross Zélote. que du plaisir. C'est toujours la meilleure partie d'une armée, surtout une armée de la garde ou une armée humaine. Les véhicules, on s'éclate dessus, quoi. Même à Ouais, peindre, ouais, c'est ouais. un bonheur. Alors, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais un véhicule impérial à peindre, c'est la Ce récréation, sera quoi. la première fois que je fais un Rhino, mais Lehman Ross, ce sera la première fois. Ouais. Oh, tu vas t'amuser. Ouais. Par contre, juste brossage à sec. Surtout ne pas commettre l'erreur de vouloir faire de l'éclaircissement des arêtes au pinceau, quoi. C'est tellement plus long et pour un résultat qui va être, dans, pour 90% des peintres, moins bien. Oui, d'accord, Sur un véhicule avec des arêtes aussi prononcées, quoi. Ça te fait un éclaircissement fin, juste sur les arêtes, juste ce qu'il faut. Et puis ça prend 10 secondes, quoi. Et tu t'éclates. C'est l'étape qui révèle. Tous les volumes de ton véhicule en quelques secondes, c'est presque magique quoi, le brossage sur des véhicules comme ça. ouais, une grande brosse, ouais. Ouais. Enfin, pareil en rouge, j'imagine pour l'accorder au reste de l'armée. Les petits avortes. Ah, Le le Lehman Russ quoi. char, oui, Ouais. le char, il sera sans doute. Ouais, il sera sans doute forme. Alors, je vais aller piquer. Je regardais comment tu fais tes chars pour que ce soit en version Tarkusien, quoi. Oui, bien sûr, je te donnerai la recette bien volontiers. Même pour commettre cette ignominie, c'est autorisé pour une fois. Bon, de toute façon, c'est pas bien compliqué, c'est du corn red, hein, du rouge de corne, voilà. Ah, d'accord, oui. Agraxor Shade dans les creux et brossage. Alors là, par contre, tu me poses une colle tout de suite en orange. Je ne sais plus lequel des oranges. Enfin. Quoi qu'il en Wild soit. Rider Red, là, peut-être. Ouais. Tiens, Oh. rouge quasiment. Non, même plus orange que ça. J'avais fait ça au début, c'était ça ressort pas assez en brossage à sec en fait, puisque Ah, ça atténue d'accord, ouais. la couleur et au final j'ai refait même le brossage des basilisques qu'on voit dans le rapport de bataille des Minetti là, pour que ça ressorte plus davantage encore. Même un rouge aussi clair par rapport au corn red en brossage, c'était pas suffisant. Donc Ouais, c'est la difficulté de faire des armées un peu grimdark. Il faut quand même monter parce qu'on voit pas au niveau photographie, on est toujours obligé de monter un peu des fois. ouais, c'est ça. Et en tout cas sur les brossages à sec, faut toujours aller du côté, on va dire, risquer le trop clair plutôt que le trop sombre en fait. Ça. C'est toujours 2-3 crans en dessous, en fait, une fois qu'on l'a appliqué en brossage, avec la transparence du brossage. Alors, les avortons, les premiers de cordée là, de ce
de toutes ces photos et on n'en a pas parlé. Les avortons. Alors normalement, ils sont pas. Quand il y a des soupes populaires, qu'il y a des petits enfants mutants qui viennent, ils sont virés, quoi, d'habitude. Mais là, situation de guerre, sur Orientine, faut soutenir la cause, et puis il faut des boucliers humains pour défendre les Psykers, les matrones, etc. Je n'ai pas fait ma matrone d'ailleurs. Mais donc il faut des boucliers humains pour le Carnaval Rouge, on en a besoin. Donc là, on les prend, et alors l'idée, c'est de dire, vous êtes des pro-chevaliers, vous devez absolument défendre... votre psyker, votre mystique, quoi, votre saint. Et pour cela, on va vous donner une massue pourrie ou un vieux couteau dégueulasse, et puis un bouclier forgé à l'arrache. Et voilà, et en fait, c'est ça. Ils servent. Alors, dans mes mises en scène, je les ai mis justement à côté de personnages. Enfin, en gros, ils se jettent sur les balles, ils se jettent sur tout ce qui peut passer, quoi. Ou ils gênent les ou alors ils doivent gêner les snipers adverses, quoi. Ils se mettent devant avec leurs boucliers. Enfin, ça, voilà, ça fait foule, ça occupe l'espace, et ça, c'est vraiment de la chair à canon, quoi. Et là, on le voit, j'en ai mis un à côté d'un musicien dans le fond, et à côté de mon apôtre. Et puis une foule aussi qui sur la gauche, vient vers la soupe populaire, et puis un espèce de... Il y a un gars zélote là qui essaie un peu de les encadrer, mais on sent que ça va déborder, quoi. Et voilà, j'ai suivi les conseils Planet Wargame, donc c'est vraiment la grosse boîte de 30 gobelins, là. Y en a un qui a un casque de cadien, y en a qui ont des boucliers qui sont des boucliers de l'Empire, je crois que c'est les épéistes de l'Empire, j'ai pris. Des bouts de boucliers des pays de l'Empire, et puis un peu de gris stuff un peu dégueu pour faire j'ai fait de la gris stuff un peu à l'arrache pour faire des capuches un peu médiévales, quoi. c'est génial. Là, à la fin, c'est bordel. Non, t'as presque envie de jouer la bataille interne. Tu sais, la Horus Hérésie du Carnaval Rouge, en fait. L'heure de la soupe, quoi. Il y aura son bol de soupe. Ah oui, non. Le coup de trompette voilà, qui sonne l'heure fatidique. Ou, voilà. Rise of the Avorton, là. C'est terrible. Ouais, c'est ça, oui. Il me manque ce serait trop compliqué, mais la sortie d'égout, quoi, l'égout qui se soulève plein d'avortons, là. Ouais, c'est génial. En plus, je suis très sérieux, tu peux à l'occasion le faire en petit scénar entre amis, même avec quelqu'un qui n'a pas d'armée ou truc comme ça. Avorton contre pas avorton du coup, parce que si je dis gens normaux, ça va se retourner contre moi. Bon, bref. Mais contre grande personne, et voir combien atteignent la marmite, quoi. C'est génial. Ce scénario est beaucoup trop stylé. Enfin. On est avec le lance-flamme, bon. Ouais. Ouais, c'est. Ça marche bien, c'est le fameux. Lance-flamme sur les actes. C'est fameux. Ah oui. Et sachant qu'en plus, voilà, tout ce qui est cramé, tout est récupéré, hein, peut faire des steaks, en fait, à la fin. C'est rien ne se perd, tout se transforme, hein, chez le Carnaval Rouge. Donc si, voilà, s'il y a un conflit interne, c'est de la viande en plus, quoi. C'est pas forcément dit, et il y a des gens qui s'en chargent, quoi. Bien. Distribution de pâtes de fruits verdâtres dans la ruche, c'est parfait. C'est parfait. C'est ça, exactement. Bon, écoute, que dire à part que c'est magnifique.
quand même ce projet. Honnêtement, ça fait plaisir à voir. Wow. C'est sûr que c'est des projets très personnels. Il faut être dans le truc. Voilà. On a une passion très, très diverse quand même, avec bien, bien des attraits différents pour des gens qui ont des goûts différents. Certains ont préféré plus les thèmes, on va dire, qui se rapprochent des Tau, des Eldar et les problématiques qui sous-tendent ces factions. Ça va être des thèmes qui leur parlent plus. Là, vraiment, on est dans le granuleux, dans le fond du fond de la ruche. Bon, c'est génial. C'est génial. Merci, parce que j'ai adoré. Ouais, j'ai la fièvre zélote, j'en ai encore plein. Il n'y a que 500 sur 1000 points, quoi. Et je me suis, à un moment, je me suis dit, j'arrête, parce que c'est vraiment, je me disais, à chaque fois que j'allais sur le site qui commence, je me disais, je vais acheter des trucs pour faire des zélotes. Où je voyais une sortie figurine en disant, ah, tiens, ça pourrait être un zélote. Enfin, c'est sans fin, donc il faut s'arrêter au bout d'un moment, quoi. Oui, au début, tu les vois pas, puis à la fin, tu les vois partout, quoi. Les potentiels de conversion. Et... Les nouveaux rédemptionnistes, là, typiquement. Ah, ouais. C'est clair, c'est clair. T'as déjà un schéma rouge à l'échelle de l'armée, il s'intégrerait bien en unité à part, un peu plus d'élite. Ou alors en conversion totale, pour en faire des... Ce serait peut-être même un meilleur usage, en fait, dans ton armée, pour en faire vraiment des personnages... Où là, ce qui est assez génial, c'est que on constate que il y a une histoire derrière chaque figurine, à peu près, quoi. Chaque unité, en tout cas. Et ouais, c'est ça. C'est super. Bah, c'est tout ce que j'aime. Je pense que ça fera plaisir aussi à certains spectateurs de cette vidéo. Tout est génial. Ouais, j'espère. Voilà, donc. Tout l'idée, c'est que j'ai mon autre projet, mon autre passion, bah, c'est tout ce qui est Ministerum, Curé, tout ça. Et donc j'ai une armée de sorts de bataille qui est moins peinte que mon armée zélote, du coup. Et l'idée, c'est que je pourrais toujours les utiliser comme des fratéris militia, enfin l'espèce de soit des pèlerins armés ou des ruchis armés qu'on utilise, voilà, vraiment comme marée humaine avant que les sorts de bataille et entre guillemets l'élite du Ministerum arrive sur une planète, quoi. Et voilà, ou comme secte, ou comme ça peut servir, hein, de plein de façons, je pense, quoi. Mais tout à fait. Tu sais que je pense exactement la même chose depuis quelques temps. Il y a une polyvalence aussi quand même derrière ces armées-là, qui vont bien au-delà, mine de rien, du juste « bon, je me suis fait une armée vraiment de, on va dire, de rébellion populaire sur fond de différents théologiques ou différences de foi ou que sais-je ». C'est pas forcément que des espèces de cultistes de l'Imperium, mais contre l'Imperium. Non, tu peux en faire... plein d'usages, en fait, de la même armée, et même non seulement des mêmes figurines, mais réellement de la même armée au gré des batailles, au fil du temps. Tu peux décider, par exemple, à terme, une fois leur rébellion initiale échouée, que ils se rallient devant l'autorité du confesseur ou du truc comme ça, du ministerum officiel, et servent plus de militia fratéris, comme tu disais. De milices populaires, en fait, mais ralliées au ministerum officiel, quoi. Donc, tu vois, au gré des obédiences et des alliances qui changent, qui vont, qui viennent, des trahisons, des réconciliations, des choses comme ça, tu peux complètement les réutiliser de bien des manières différentes, dont aux côtés d'une armée ecclésiarchique, quoi, comme tu dis. Et il serait parfait. Tu mets un inquisiteur plus doué encore en sociologie, comme je disais tout à l'heure, que Hector, ou du moins qui parvient à faire un subterfuge pendant un temps suffisant pour mystifier la bande, la rallier à sa cause, et tout à coup il change complètement d'objectif, tu vois. Tout à coup... Ah oui, exact, oui. Tout à coup, ils sont sous la coupole d'une autre personne, ils ont d'autres buts, d'autres missions. Donc, ouais. Tout est bon là-dedans. Un petit peu à l'instar de la soupe, j'ai l'impression, du carnaval rouge, on peut tout réutiliser, quoi. Oui, il y a un gars de Rouen qui voulait faire, mais je l'ai ménagé entre-temps, mais
Il voulait faire une bande d'inquisiteurs qui voulait aller chercher les Psykers pour les capturer, les remettre soit dans des vaisseaux noirs, soit dans des machines de pénitence, quoi. Mais... On n'a pas eu l'occasion de le faire, mais voilà, il y avait une idée aussi, ça a permis de faire émerger des idées autour du cercle milieu. Et c'est ça qui était super dans le thème des zélotes, quoi. Ouais, génial. On a fait le tour, je pense, de ta force, en long, en large, et de tout ce qui a été associé. Je te laisse néanmoins l'opportunité du mot de la fin, si tu veux revenir sur quelque chose, les décors, je sais pas, partager en ce moment ce que tu aimes dans le hobby. Bah, vas-y, c'est le moment. Quartier libre. Mot de la fin, c'est remercier la communauté du hobby de Rouen, pour ceux qui se reconnaîtront. Mon ami Vassilievitch, qui joue Death Guard et qui est aussi tipeur, je crois, dans la chaîne. Et puis, remercier Planète Wargame et puis toute sa communauté pour cette campagne vénexienne qui a quand même permis d'animer le hobby malgré cette pandémie. Et voilà, sinon, en ce moment, je peins des sorts de bataille. Je fais un rhino sort de bataille. Et puis, j'ai récemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un missionnaire. Voilà. Je reviens au côté Ministerum pendant un petit moment. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Et vivement le. Vivement le. Vivement les rapports de bataille Planète Wargame, Zélote. Ouais. Tu sais que c'est tellement raccord en fait ce que tu nous présentes là que c'en est troublant à quel point Ah c'est la même tant mieux. chose. Bon, si ce n'est là, si ce n'est que là en l'occurrence, les lions de Santarcus sont renégats. Mais sinon, à part ça, c'est ça coïncide très étrangement avec ce qu'on va faire. C'est Le rêve, génial. ça aurait été de pouvoir fusionner les forces zélotes de la communauté, mais bon, c'est Ouais, compliqué en ces temps. c'est sûr, mais une dotation de bus du de transport du prolétariat comme ça serait bienvenue, certes, pour les rapports de bataille à venir. Effectivement, peut-être la commune va vous en commander quelques-uns aussi, un parc de ces véhicules. C'est génial, quoi. C'est génial. Enfin. Merci beaucoup de ta présence et de tes réalisations, là, Capitaine Savignac. Voilà, et Mais puis. je t'en prie, merci de l'invitation. Voilà, en espérant que ça puisse inspirer ceux qui tomberont sur cette vidéo à faire des choses aussi personnalisées, aussi stylées, avec une petite histoire courte, synthétique, mais ô combien efficace derrière chaque unité. C'est juste génial. Moi, ça me réjouit de voir ça, quoi. Allez, salut! Salut!